Elle est née avec la sorcellerie. Elle a fait quoi à Elsa? Elle a qu'à détailler. Les gens l'ont tué d'abord, et puis les gens qu'elle a gâté. Non. Parle fort. Son mari. Elle a fait quoi? Elle a bouffé son mari. Elle a tué son mari. Elle a tué son mari. Comment elle a fait? Qui est arrivé? Je suis arrivé. Comment elle a tué son mari? Oui, qui est arrivé? Anna. Elle n'était pas d'accord avec le mari. Oui, allons-y. Madame, allons-y, vite. Parle bien, madame. Il a eu raison. Prends le micro. Son rythme là, prends. Close. Elle dit qu'elle a pris l'œuf, elle l'a mis dans une boîte, elle a creusé dans son foyer où elle fait feu. Oui. Elle a mis le feu dessus. Oui. Elle dit qu'après ça, son mari a commencé à tousser. Non, qu'elle a mis dans le foyer. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a préparé là. Elle a mis, après elle a préparé pour donner à son mari. L'œuf était dans le trou. Oui, qu'est-ce qui s'est passé après? Moukela. Il a eu quoi? Akamoso. Oui. Il n'est pas tombé malade. Ama balao. Elle a dit salaud là, t'es mort. Salaud. Qu'est-ce qu'elle a dit salaud là? Aïe, quelle amie c'est Natas, elle a insulté un peu. Salaud. Pourquoi tu l'as tué? Pourquoi je veux qu'elle fasse? On s'est pas entendu. Tu crois? Mon clé le bain. Parle fort, madame, allons-y vite. Je me suis battu avec ma rivale. Oui. Il m'a frappé. Il m'a frappé pour ma rivale. À cause ma rivale. À cause ma rivale. Il t'a frappé à cause de la rivale. Oui. Ça, c'est la première, c'est ça? Ah, lui, il a eu sa chérie. C'est déjà, on ne peut pas aimer deux femmes, c'est pas possible. Donc il n'avait pas là, le monsieur est venu frapper. Il a dit ok. Puis tu as fait quoi? Tu as pris flan là où? Ils ont fabriqué pour lui donner. Comment ils ont fabriqué? Tu es allé chercher. C'est quelqu'un qui est allé. C'est qui? Oulo. Il n'a pas de nom. Attends quoi? Moussa. C'est un garçon qui a fait, il s'appelle Moussa. Un petit marabouta qui tue ton mari. Et puis il est mort. Ah. Tu as tué qui encore? Il a tué mon petit frère. Il faisait quoi dans la vie? Atoumé mon bar à l'hôtel. Atoumé militaire. Il était militaire. Il était militaire.
Tu l'as tué comment? Comment il s'appelle? Apago. Mamadou Dosso. Tu l'as tué comment? C'est quelqu'un qui a dit qu'il faut. J'ai mis la poudre poison. De l'eau. Un poison. Et puis j'ai préparé, j'ai mis dedans pour lui donner. Et puis ça l'a tué. Oui, il est mort. Tu as fait quoi encore? Il a moqué tout. Le petit frère de mon mari. T'as fait quoi? Il a moqué. Allez, tu vas en faire. A tu m'aider, bien, tu as fait quoi, le petit frère de ton mari? Il t'a tché au cours. Il t'a tché à ton tché. Il a moqué à moi. Je l'ai empoisonné pour le tuer. Attends, tu as poison. Tu empoisonnes les gens. Poison, mes bro. Il va me poisonner. Hein? Oui. Donc tu vois les gens, tu as envie de les empoisonner. Ni quand mon voyage drone, il va faire qu'un poisonner. Ah. Oui. Je dis la vérité. Je ne veux plus faire. Je vais laisser. Il faut m'aider. Tu as gâté quoi encore? Et quand mon loge tout. J'ai tué deux de mes enfants, ils étaient petits. Tu les as tués? Ah, allez. Comment? Il y a quelque chose. Allez, on dit là, la violence. Après, on va faire. 7 mois. Et à l'accouchement, je l'ai tué. Comment? Il y a quelque chose. Elle n'est pas au père. Après, la tuer. Ah, c'est pas moi, j'ai fait, c'est comme ça. Tu as voulu les tuer, tu les as tués. C'est ça? Oui. Tu as gâté qui? Donc le tien. Tu as gâté qui? Il a pas tué le tien. J'ai gâté ma fille. Elle est où? À Mami. Elle n'est pas ici, elle est morte. Tu as gâté qui encore? Tu as tué le tien tout. Ta mère de. Dans la salle ici, là, qui tu as gâté? Mon nom est Kailoni. Tu as tué le tien. Ta famille, qu'est-ce que c'est que tu as gâté? Mon nom est Kachia Abe, la masse est Abe. Yolo. Ta droite. Mon petit frère. Comment il s'appelle? Apago. Dosso Mebo. Bien. Salut là. Ah, allez les gars. Oui, salut. Tu l'as gâté comment? Il a gâté comme ça. Tu l'as gâté comment? Il a gâté comme ça. Tu l'as gâté. J'ai pris sa chance. J'ai pris sa chance pour attacher, pour mettre un colombin. Pour jeter. Dans la poubelle. Dans la poubelle pour jeter. La chance là, comment elle a eu ça pour attacher? Apo. Attends, chance ni qu'axolmi, ça se met qu'axolmi. J'ai mis ça dans un fil. Fil, quel fil? Je sais du moins. Je sais. Fil noir. Tu as attaché, tu as parlé, tu as attaché. Et comment là, qu'axolmi, qu'axolmi. Vous jetez? Oui, c'est ce que j'ai fait. Vous jetez. Vous le gâtez? Qui va faire gâcher? On va avoir l'argent. À quel endroit le sol? Eh, hey, réponds ma question. Ah, quand on est là. Quand tu es fatigué comme ça. Avec mon numéro, tu es à fois sur. C'est ça? Quoi, avec mon numéro, tu es fois sur. Ah, tu es fois sur. Tu as gâté qui encore? Tu as gâté le tien tout. Tu as gâté. Mon petit frère qui est là. Bien. Vous pensez à celui-là, c'est lui. Eh, cherche loin. C'est tout frais comment d'abord? Quand on finit de gâter tout, celui-là. Tu as gâté quoi? Il a mon loutien en fait. Attends quoi, le bague? Son dos qui lui fait mal. Tu as fait quoi là sur le dos? Il a mon cœur, d'accord là. Je l'ai tapé au dos. Avec quoi? Mouillé. Pour la main. Avec quoi? Pour la main. Pour la bas. Ah, Gourdin. Ah, Gourdin. Gourdin. Ah, avec Gourdin. Oui. Vous êtes un gourdin, oui.
quel moment? Ça fait combien de temps? Ah, ça fait longtemps. À quel moment? La nuit? Pour faire, très faire. À quelle heure? La nuit. Il dormait. À ce moment-là. Il dormait. Vous avez mal au dos? Vous ne pouvez pas bien marcher. Ça fait mal. Elle en sommeil, hein? Boum! C'est force de la sorcellerie. Ça laisse être concentré comme ça, peu ami. Tu as fait quoi encore? C'est un mot de goût. Si, lui. C'est un mot de goût. Il n'y a plus rien fait. Ils sont affaires des garçons là. Eh, t'as fait une. Madame, ils sont affaires des garçons là. À ta kikini. Madame. Ça fait quoi? Monsieur, est-ce que ça va? Ça va pas? Ça va? Ça fait quoi? Il mon père. Hein? C'est arrivé là-bas. Madame, je suis en train de faire mon travail. Après, il a parti, est-ce qu'il veut redonner? Monsieur, est-ce que ça va? Ça va pas? C'est en panne. On va régler ça. T'es venu au garage. Oh, si ça en parle, c'est grave. Si ça, ça en parle. Ça va être tous les palabres. Les tours matin. Palabres matin, le soir. Elle dit que quand elle a tapé au dos, c'est n'est pas de venir à l'entente. Elle n'a pas de venir, sinon elle n'a pas fait ça ce que c'est. Pas de venir à l'entente. Et sa chance là. Pour attacher sa chance. Madame, et sa chance. Lui. Comment il est attache à ce n'est qu'un mot. Attache à ce n'est qu'un mot. Tu n'as pas été agressé tout le monde là. À quoi il a dit sur le cas blanc. Tu as parlé dans mon bureau. Comment qu'il t'a envoyé ici? Hein? Moi j'ai une mémoire. Hein? Une mémoire là, il y a ça. C'est pas ce qu'elle a dit. Elle a pas la crevée pour mettre ta chance dedans. Elle dit oui. Donc ça en panne. Monsieur, ça en panne même. Non, elle dit non, je suis en train de soigner. Pourquoi il te soigne, hein? Il est malade, hein? Allez, viens. Toi, tu as fait ça. Tu es malade, hein? Vraiment malade. Allez, viens, vraiment malade. Allez, vraiment, vraiment là. C'est en foutaise, hein? Tous les gars, tu dis vraiment, vraiment malade. Et t'as fait quoi? T'as bouqué. Ils ont foutaise dans la nuit. Dans le cou, là, ça. Cou circule. Ah, mais on peut faire là. Il m'a rien fait. Avec toutes les nerfs. Mon petit frère. Mais on ne frappe pas petit frère. Il va dire pourquoi. On ne gâte pas partout, partout. Il gâte pour bien. Quand tu es comme ça, tu n'es plus. Il te considère. Oh. Bonjour, tu ne peux pas dire ça à la maison. Je suis qui. Ma table là, pas coupé. Je peux pas dire je suis qui. Je suis. Hein? De l'aider. Ah, je suis prêt à t'aider. Oh. Mais faut parler. Oh, elle a fait demain. Il a comment très fort. Tu as gâté qui encore? Et t'as donné le tien tout. La fille de mon petit frère. Elle est où? Avec moi. Bien. Ils sont dans les mains de la demande. Bien. Tu as fait quoi? C'est comme mon cœur. Il a tapé sa tête avec le bois. Et puis tu as fait quoi encore? C'est comme mon cœur. Il a fait. Il a donné du poison. Et puis tu as fait quoi encore? C'est comme mon cœur. Tu as pris son sang, tu as extrait son sang, tu l'as injecté un poison. Oui, quand tu as passé le poison blanc. Oui, il a oublié, c'est vrai.
Vous te rappelez, hein? Tu as une maladie, c'est ça? Tu sais quelle maladie? Tu souffres de quoi? Enfin, les dames m'ont dit que c'est une maladie de sang, parce que j'ai commencé à pousser le sang, et puis mon poumon me faisait mal. Donc, je prends des comprimés pour le sang, même actuellement. Et toujours quand je m'en fais la visite, on dit que mon sang, c'est lourd. De quoi du lait? Donc, je ne me retrouve pas, je ne peux pas partir à l'école, je ne peux pas faire le travail, parce que j'ai mal à la tête. C'est elle qui t'a assommé, t'as mal à la tête, c'est ça? Des fréquents maux de tête? Mon ventre aussi me fait toujours mal. Toujours mal. Je ne comprends rien. C'est arrivé comment? C'est venu comment? C'est arrivé qu'un jour j'étais couchée, j'avais mal partout. Maintenant, ça fait deux jours, je ne partais pas au travail, je partais chez les docteurs, ils m'ont pris le sang, et puis ils m'ont dit qu'il n'y a rien. Ça a continué presque pendant deux mois. Et vraiment, j'ai souffert. Est-ce que tu n'es pas venu en Afrique, après l'Afrique? Est-ce que tu n'as pas vécu un truc comme ça? Tu n'as pas vu un truc dans un rêve, non? Oui, dans un rêve. Dans un rêve, j'ai rêvé qu'elle est venue dans ma chambre. Dans le rêve? Dans le rêve, elle m'a attrapé par la gorge, elle m'a soulevé. Donc, j'ai crié le nom de mon père. Donc, elle m'a laissé. C'est quelqu'un qui m'a laissé, je suis tombée. Ce jour-là, elle m'a envoyé à l'hôpital et j'ai fait presque un an dans la maladie. Là. Ok. Même actuellement, je suis dans la maladie. Madame, c'est comme ça fait. Tu allé, elle est à Bing là-bas. Et hein? Ah. Non, je pose la question. Elle est là tellement là-bas. Je ne suis pas arrivé à Danemark. Elles sont venues ici. Donc tu es parti à Danemark là-bas. Elle était couchée, tu l'as donné dans sa chambre, tu l'as soulevée, tu l'as fait tomber. C'est à Danemark qu'a eu la vision. Madame, nous sommes en train de les soigner. Il va voir, on me flatte là. C'est à Danemark là-bas. Oui, c'est ça. Au Danemark, loin. Oui, c'est ça. Comment? Eh, mais faut parler. Mais faut parler. Danemark. Comment tu es arrivé là-bas? Il y a les gens de Boeing ici. Vous avez peur de... Non, ils ne vont pas venir en France. Et ils ont fini en France. Tu rompes. Il est là. Vous avez vu comment elle a pénétré la chambre de la fille depuis Danemark, soulevée, faire tomber. Puis la crise a commencé. Vous avez le problème de la sorcellerie? Puis ils ont dit non, il ne faut pas avoir tombé les sorciers. Grâce à ce qu'il fait là même. Mais pourquoi? On n'a qu'à laisser les sorciers vont manger les gens. Ils n'ont qu'à gâter la vie. C'est ce que vous voulez. C'est ce qu'on appelle avocat du diable. Vous défendez les sorciers. Regardez les dégâts que les sorciers font autour de nous. Madame, tu as un pouvoir comme ça, au lieu d'envoyer l'argent, c'est soulevé, on dirait Tarzan, tu lèves les gens, les fais tomber. Ta force. Pendant bien. T'as gâté qui encore? Regarde où le tient tout. Le petit frère de la fille. Il est où? Ah ben oui. Bien. Lui, il est crête. Ça a gâté quoi? C'est un mouchard. Il a changé son père. Lui et son père ne doivent pas s'entendre. Elle a pris la vie de ce petit là. Allez, mets ça dans un port. Pour compter l'histoire de mon fils. C'est mon fils. Oui, pas ta soeur. Ton doigt commence à te faire mal. Hein? Alors, c'est un jour bon. Je lui ai dit, bon, je dis, Julien, bon, est-ce que tu ne peux pas aller à l'école aujourd'hui? Il a dit que, bon, je vais partir. D'abord, c'est les maîtres qui m'ont appelé. Ils ont dit qu'il fait trop de dégâts à l'école. Vraiment. Mais pas là. Par là. Voilà, dégâts là, pas là. Par là. Bon, donc, on l'a renvoyé là-bas.
On l'a renvoyé là-bas. Bon, c'est un petit, il est très intelligent. Mais les gens m'ont dit qu'il ne peut pas rester dans cette école parce qu'il fait trop de dégâts. Donc ils l'ont renvoyé. Je l'ai gardé à la maison pendant 8 mois. Après, son assistant social, ils ont trouvé une autre école encore. Bon, quand il est allé là-bas. Pas le micro. Quand il est allé là-bas, bon, ça allait, mais quand il va en classe, sa tête est comme ça, il ne peut pas regarder les gens dans les yeux. Mais à la maison, entre lui et moi, vraiment. Le chien et chat. C'est chien et chat. Même ce soir-là même, on voulait faire encore par là. Ce soir-là même. Tu dis, il a cassé ta télé. Il a cassé la télévision. J'ai même filmé ça. J'ai acheté une télévision. Oui. Bon, après, il s'est assis. On lui a emmené une fois à exit de fou. C'est-à-dire, le fou reste là. On l'a envoyé là-bas pendant 2 mois. Ils ont fait toutes les recherches. On voit rien. On ne voit rien. Bon, avant même de venir ici, vraiment, j'étais obligé de le mentir. J'ai dit, bon, on va en Italie. Parce qu'il ne vient pas. On a pris le pied. On devait quitter la maison à 3h du matin. Le gars est sorti. Or, s'il sort, vraiment, c'est fini. Donc, j'ai payé le pied. Donc, j'ai pris un matelas pour me coucher. Pour barrer la porte. Voilà. Donc, il y a un jeune qui est venu m'aider. Donc, le petit, la taxi est venu pour s'habiller. Et quand il prend la vie comme ça, vraiment, pour porter, c'est difficile. Son affaire, vraiment, si le prophète m'aide, vraiment, c'est très bon. On va t'aider, on t'aide. Je suis fatigué. Oui, franchement. Fatigué. Économiquement, tout, tout est mélangé. Hier, on m'appelle, sa maman a été opérée. Parce que. La femme là lui a donné un sujet rénal. Bon, tout ça, ça veut dire que toute la famille. Ça y est, elle a tout gâté. Tout est gâté. Et je suis seul, ma chance est gâtée. On me dit, tu n'en vois pas comme ça, tu ne fais pas comme ça. Madame, le micro. Tu as fait quoi encore? Je ne peux pas venir, c'est tout ça. Je ne peux pas venir. Après, tu as tout. Pour laisser le voyage. Il va être du lac en forme. Il va être du lac en forme. J'ai coupé le dos de sa femme. Mais elle a pris ses reins. J'ai fait avec un prava, je ne sais pas, un couteau. Elle a pris ses reins, la gâtée. Oui. Et pourquoi? Moukosson. Bien. Les gens là. Comment? Avec un soin là, on se côté. C'est dans son cœur, c'est ça? C'est quelque chose qui est dans son cœur. Dans son cœur, oui. C'est ça dans son sang, oui. Ça la pousse à faire ça. Comment ça se manifeste? Avec un chocodi. Ils sont là avec un chocodi. Avec un coup. Un coup. Il a besoin de coup. Il ne prend pas à bouger. C'est un blanc en frigo. La main ne peut pas. La main. Elle dit main ne peut pas comme ça. Ça fait coup. Et quand ça vient coup, ça fait quoi? Il y en a pour voir mon gars. Avec une bicycle. Ça me pousse à faire du mal. Et puis tu gâtes. Et puis ben, me retiens. Oui. Oui. Oui, je gâte. Aidez-moi pour que je puisse plus gâter. Je suis fatigué. Ah, c'est toi qui es fatigué. Ok, dessous, matin, on va régler ça. Vous avez déjà des huiles? Ok, envoyez. On va prier. On va commencer à verser ça sur vous. Mais matin, c'est tout à l'heure. On va régler ça tout à l'heure. Faire une action prophétique. Elle va parler pour vous libérer. Ça, c'est important. Oui, on va régler tout ça. Madame, tu as vu comment la société est dangereuse. Allez vous asseoir. Tout à l'heure, on aura pour ça. Allez-y. Monsieur, viens. Oui. Monsieur le guéri.
Et Dieu crée. Oui. Tu es un sorcier. Si, c'est un sorcier. Vrai sorcier. Oui. On t'écoute une dernière fois. Je suis un sorcier. Je m'appelle Baïba Florent. Quoi? Je m'appelle Baïba Florent. Baïba Florent. Oui. Tu as quel âge? Ah, je ne sais pas mon âge. Toi. 21e siècle, tu connais ton âge. Oui. Tu parles français. Oui. Allons-y. Bon, quand j'étais chez ma grand-mère, chez, dans le village de ma maman, c'est là que ma grand-mère était. Et puis, elle me disait chez ma grand-mère, quand il était... Et ta grand-mère t'a donné la sorcellerie, c'est ça? Si. Ta maman ou ta grand-mère? Ma grand-mère. T'a donné la sorcellerie? Si. Quand t'as donné la sorcellerie, t'as fait quoi? Quand m'a donné la sorcellerie, un matin, on était au campement, elle est restée au campement avec moi. Donc ce matin, elle m'a appelé. Tous ces gens sont partis au camp au village. Bon, on est allé, elle dit, accompagne-moi au Marivaux. Quand on est allé au Marivaux, j'étais arrêté. Donc elle avait coupé les zèbres là. Les zèbres là, elle a envoyé. Elle a pris l'eau. C'est de sa main. C'est de sa main. On est allé au campement. Arrivé au campement, j'étais arrêté. Elle a pris le mortier. Elle est venue à le mortier derrière la maison. Elle a commencé à piler. Quand elle a fini de piler, elle m'a appelé. Elle dit, viens ici. Je suis parti. Elle dit, les trucs là, elle te frottait. Tu serais dur. Il dit, dur comment? J'aime me battre ou bien quoi? Je vais faire quoi? Je vais avoir la force pour me battre mes amis. Elle dit, non, attends, regarde tes données là. Tu serais plus fort que ça encore. Il dit, d'accord. J'étais arrêté, elle a pris les médicaments pour me frotter. Elle dit, faut t'asseoir ici. Donc les parents sont tous au village. Elle avait quand on était au campement. On est resté au campement, j'étais arrêté au soleil. Jusqu'à. Les médicaments qu'elle a mis sur moi, c'était sec. Donc, c'était vers les 6h du soir, 18h. Elle a préparé le riz. Elle dit, elle dit, viens manger le riz. Elle m'a donné pour moi, on a mangé. Donc, j'avais sommeil. Elle était en sommeil, j'ai dit oui, on est rentré dedans. J'ai pris ma natte, elle était sur Tara, moi j'ai pris ma natte, j'ai mis ça à côté, près du feu. Elle dit, non, viens ici, viens à côté de moi ici. Il dit, non, moi je ne peux pas me coucher avec toi là. Toi, tu es ma grand-mère, pourquoi moi je vais me coucher avec toi? Je vais me mettre ici. Elle dit, non, c'est moi qui dis de venir, non. Donc, hein, elle m'a appelé, je suis parti avec elle. J'étais couché. En dormant, je dormais, elle a pris mon bras. Quand elle m'a pris mon bras, elle m'a soulevé, on est parti en l'air. Quand on partait en l'air, arrivé, où se trouve l'air? Le patron, on est arrivé, ils étaient beaucoup. Donc elle m'a mis au milieu. Quand elle m'a mis au milieu, j'étais arrêté. Elle a dit à le patron que oui, j'ai envoyé mon fils. C'est mon fils qui va rester ici avec nous. Puis le chef l'a dit, d'accord. Ton fils maintenant tu l'as envoyé. Faut l'amener ici. Tu as tué combien de personnes? Dans le nom des gens que tu as tués. J'ai tué un vieux de ma famille, de ma grand-mère. Je l'ai tué. Et puis il y a un qui était contre moi. Lui, il a appelé les gens contre moi pour me tuer. Il dit, moi, je vais dans son village, je vais dans le village de mon papa. Il dit, il n'y a pas ici, c'est ma maman. Donc quand il est parti au campement matin, ils étaient en groupe, ils m'attendaient. Et là, celui qui voulait me faire du mal, il a appelé deux personnes, ils étaient venus contre moi. Là, ils étaient six. Les six ans m'attendaient. Donc quand j'y partais, j'avais ma machette à la main. Quand ils partaient, je les ai vus. Donc celui qui a appelé les gens, lui m'a donné tout. Le monsieur qui l'a appelé, lui, il était là, il était devant là-bas. Il me regardait. Il m'a vu. Donc moi, je me suis retourné, je suis parti me préparer. Quand je venais, l'autre, le vieux qui a appelé ses amis qui m'attendaient sur la route, c'est lui qui a tiré sur lui. Sorcellerie? Oui. On visite les comment? Le calage. Le calage. Oui. Quand il y a une guerre chez toi, tu fais où? Non, pour moi, c'est ce que j'ai fait, je prends dans mon cœur. On ne peut pas m'attraper. Quand les gars viennent m'attraper, je me suis dit.
je le fais devant eux. Donc, je suis là. Donc, le monsieur, je l'ai tué. Donc, quand ils m'ont vu, quand l'autre est tombé, ils m'ont vu, ils venaient contre moi, je suis parti. Je suis parti au village. Donc, la nuit. Tu as tué combien? J'ai tué, bon. J'ai tué Guy. Ce Guy-là, ça c'est le petit frère de ma grand-mère. C'est lui que j'ai envoyé. On dit de l'amener, puis je l'ai amené. Puis je l'ai tué. Donc c'est lui qui j'ai donné au chef. Puis il avait dit non, c'est moi qui l'ai envoyé. Voilà, il n'a pas de quelqu'un, mais c'est moi qui dis il ne va prendre mon petit frère pour moi. Donc il a tué. Il a donné pour moi. Il a donné pour la vieille. Et c'est lui que le chef, il a pris la tête. Moi, il m'a donné le pied. Lui, il a pris le cœur et à la tête. Puis le reste, il a donné ça à la vieille. Bon. Tu as gâté qui? Ceux qui ont gâté ne sont pas d'ici. C'est pas pour ma famille. Ils sont quittés à Bangoro. Quand il y avait une femme qui cherchait, elle cherchait médicaments. Moi, je lui ai dit, bon, elle va rester avec moi, elle vient de faire. Donc, il y avait une femme. Elle a dit, il faut aller chez le monsieur là. C'est lui qui lave la figure des gens. Donc quand elle. Oui. Si quelqu'un voilà, je le souhaite. Pardon, s'il te plaît. Non, il y a la soin de Zéry, il y a soin. S'il te plaît. Il faut qu'on ne fasse pas tes aveux. D'accord. Donc, la femme est venue chez moi. On était là, elle dit, bon, je suis venu tout à l'heure la figure. Elle dit d'abord, faut m'attendre, j'arrive. Faut aller piser l'eau. Elle allait piser l'eau. Il faut aller acheter une assiette pour la soeur avec moi. Elle a envoyé. Elle a déposé. Je suis parti sur la route. Les médicaments que je vais envoyer, j'ai chié dessus. J'ai gratté les médicaments, puis j'ai envoyé. J'ai pilé ça, puis j'ai mis ça dans l'eau. Il faut la capturer. Elle a l'air capturée. Elle est partie. Je l'ai gâté. Je l'ai gâté. Ça symbolisait quoi? Elle est plus en bas des maris. Oui. Elle est restée comme ça. Oui. Quels sont ceux qui ont été délivrés de la sorcellerie? Ils sont là. Venez.